Bonjour tout le monde, ici Marie, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on se retrouve pour ma vidéo de fin de mois et mon bilan de ce qui me reste dans mon classeur de fin de mois également. Donc, c'est parti. Alors, puisque c'était une mini semaine blanche, je n'ai pas mis grand-chose dans mon filofax, si vous vous souvenez bien. Donc, alimentation, rien. Hygiène, entretien, rien. Carburant, rien. Habillement, rien. Beauté, rien. Extra, rien. Il me reste un petit peu d'argent dans les divers sur mon billet. Là, je vais vous mettre ça là. Sur mon billet de 20. Si je me souviens bien, c'était bien 20 que j'avais. Donc, voilà. Là. Et. Oui, deux billets de 5. Voilà. Donc, je vais pouvoir enlever. Donc, ce qui me fait deux billets de 5, un petit peu de pièces et un billet de 10. Donc, on va pouvoir aller remettre, je vais pouvoir aller remettre ça tout de suite, eh bien, dans mon classeur. Mais je vais vous dire tout de suite ce qui se passe avec mon classeur. Donc, dans mon classeur de challenge, vous allez voir, il est amoindri. Donc là, je vais déjà mettre, je vais déjà colorier deux petites bulles de 5. Vous voyez, je n'ai plus rien. J'ai vidé mon enveloppe puisque un de mes enfants avait besoin d'argent pour une voiture. Donc, je lui prête la moitié de la somme. Donc, j'ai vidé, voyez, pour le billet, enfin, le challenge des 5 euros. Le challenge des 52 semaines, j'en ai donné, j'ai donné 1000 euros sur ce que j'avais. Concernant le challenge des 100 enveloppes aussi, 300 euros. Et voilà. Donc, j'ai donné aussi une partie dans mon fonds de secours. Voilà. Donc là, c'est juste une avance que je lui ai prêtée. Donc c'est juste une avance pour 2, 3 mois, si je me souviens bien, qu'il m'a dit. Et puis, ben, d'ici à la fin de l'année, logiquement, tout ou une bonne partie sera revenue dans mes enveloppes. En attendant, je laisse bien ça ici. Voilà. Donc, mon classeur est très très amoindri. Donc, alors maintenant, dans celui des 52 semaines, je mets le 10 qui est ici. Voilà, le 10. Quick. Voilà. Et le reste, je mettrai dans ma petite boîte pour la monnaie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je vais laisser ça ici. 37 et 39. À mon avis, je me suis trompée. Non. Bon, je vais voir ça un peu plus tard. En attendant, je vais pouvoir écrire ici. Voilà. Alors, j'avais bien dans les divers, j'avais 10,74 € et dans celui des défis de 5 euros, j'avais aussi 10 euros, ce qui me fait 20,74 €. Voilà. Maintenant, je peux le remettre ici. Fin de mois. Donc, en monnaie.
en monnaie 0,74. Voilà. Dans mon défi des 5 euros, 10 euros. Et dans celui des 52 semaines, 10 euros aussi. Voilà. Ce qui fait bien 20,74. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir passer au classeur mensuel qui est ici. Voir ce qui me reste exactement dans ce classeur. Donc en alimentation, j'ai tout utilisé, ce qui me fait dire que pour le mois d'octobre, eh bien, tout simplement, il va falloir que je change mon fusil d'épaule. J'avais diminué, si vous vous souvenez bien, au mois d'août, mon enveloppe alimentation, puisque je n'avais pas les enfants et que tout allait bien, et que je pensais m'en sortir, étant donné qu'au mois de juillet, c'était pareil, mais j'avais pris quand même dans mes congélateurs. Donc, j'étais restée au mois de septembre à 300 euros en prenant également des choses dans le congélateur. Or, je m'aperçois que eh bien, je n'ai plus rien là. Ça veut dire que je n'ai plus rien et que ça ne suffit pas. Donc, je pense que je vais mettre entre, eh bien, entre 300 et 400, peut-être à revenir à 350 comme les autres mois précédents. Mais en tous les cas, il ne faut pas que je laisse à 300. C'est impossible maintenant vu l'augmentation des prix. Hygiène et entretien. Ah, hygiène et entretien, il me reste un billet de 20, ce qui est tout à fait normal étant donné que je ne vais pas acheter eh bien, les articles que j'ai besoin. Comme je vous dis, j'ai besoin très régulièrement d'articles et lorsque je fais mes courses à Lidl, eh bien, je n'ai pas tout, tout simplement. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai encore ça ici. Mais qu'à un moment donné, quand même, il va falloir quand même que j'aille acheter. Donc, mon billet de 20, je le mets là. En carburant, pareil, je n'ai plus rien. Ce qui me fait également dire que mon enveloppe n'est pas assez fournie. Habillement, il me reste 20 euros. Un extra, eh bien, je ne suis pas du tout sortie avec les enfants durant le mois de septembre. Et du coup, il me reste 60, il me reste 50 euros. Et d'hiver, je n'ai plus rien. Donc là, eh bien, j'ai 90 euros pour la fin de ce mois. Ce n'est pas énorme, énorme, mais c'est toujours ça de prix. Donc, ces 90 euros-là, vont aller tout simplement. Ah, si je ne prends pas mon classeur, je vais vous faire voir. Ils vont aller dans mon classeur de fonds de secours. Là, fonds d'urgence. J'ai ma première enveloppe qui n'est pas touchée, donc j'ai bien les 500. Ma deuxième enveloppe qui a servi pour terminer le montant que mon fils avait besoin de ma part. Et eh bien ma troisième enveloppe n'est toujours pas commencée. Donc ces 90 euros-là vont aller tout simplement ici avec. Je vais mettre ça après. Va aller dans la deuxième enveloppe. Voilà. Et je vais continuer petit à petit à augmenter. Et après, mon fils, eh bien, me remboursera également pour sa voiture. Donc je vais pouvoir remettre dans mes enveloppes, comme je vous disais tout à l'heure, je vais pouvoir mettre dans mes enveloppes de mes défis et dans mon classeur de fonds d'urgence. Voilà. Voilà pour la fin du mois de septembre. Donc ça me fait pas d'énormes économies par rapport à d'habitude, mais 90 euros, c'est mieux que rien du tout. Maintenant, ça me fait dire qu'effectivement, il va falloir que j'ajuste
certaines dépenses, notamment pour l'alimentation et pour le carburant, les augmenter un petit peu. Là, je les avais trop baissées. Ces deux enveloppes-là, je les avais baissées et je m'aperçois que ce n'est pas bien du tout, du tout. Donc, soit je vais revenir au montant des mois précédents, soit je vais carrément les augmenter. Voilà, donc je vais voir ça, je vous en dirai plus dans ma vidéo de mon budget pour le mois d'octobre. Voilà, puisqu'il est un petit peu particulier pour ce mois d'octobre-là et certainement le mois de novembre, il sera aussi différent par rapport aux autres mois. Voilà, je vous dis, eh bien, à la prochaine vidéo. J'espère que votre fin de mois, vous avez pu faire un joli bilan d'économie et que vous êtes heureux de ce que et heureuse de ce que vous avez pu faire durant ce mois de septembre. Voilà, je vous dis au revoir, portez-vous bien et à la prochaine!